Bonsoir et bienvenue dans la numérologie vietnamienne, l'émission qui vous est présentée par notre amie Claire. Salut Claire. Bonsoir Jeff. Voilà. Bonsoir tout le monde. Ça va? La forme, la pêche, oui. La patate, la wash? Là, un petit peu mal à la gorge. Ah, aïe. C'est mais quel, ça va aller. Quel ça chiffre te donne ce mal de gorge? Quel chiffre? Bah oui, parce que c'est la numérologie, donc j'imagine qu'il y a, il se cache un chiffre derrière tout ça. Non, pas besoin de chiffres. Non, bon, juste le mouchoir, on va dire. Juste le mouchoir. Comment s'est passé ton anniversaire? Oh là là, alors j'ai eu plus de 300 messages. Génial. Oh, c'est un truc de fou, je ne m'attendais pas à ça. Parce que je commençais à remercier au bout de 250. Et puis, quand je dis plus de 300, je suis sûr au minimum, c'était 350. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne deltauradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et on retrouve notre amie Claire pour la numérologie vietnamienne en compagnie d'une autre de mes amies, Manuela. Salut Manuela, comment vas-tu? Salut Jess, ça va très bien. Voilà. Je suis contente. Bah, tu es contente de passer, j'imagine. Bah oui, parce que la dernière fois, j'étais déçue. Ah bah oui, et pourtant, c'est pas faute d'avoir insisté la dernière fois. Hein. Oui, j'ai vu ça après. J'étais en train de m'énerver tout seul au téléphone. Mais où est-ce que tu es? Oui, en plus j'ai dit à Didier, en plus il est énervé, mais ça... C'est pas grave. Bon, ça va avec Didier? Tout va bien? Oui, tout va bien. Bon, bah c'est cool. Allez, je vais te laisser avec Claire. Parce que... Bonsoir Manuela. Bonsoir. J'ai pas entendu le prénom. Pardon? J'ai pas entendu votre prénom. Par Claire. Bonjour, bonsoir Claire. Pardon. C'est pourtant Claire, hein? Oui, c'était clair en plus. C'est très très clair. Entre quatre yeux. Voilà. Bonsoir. Alors, pour votre thème numérologie vietnamienne. Il y a un ordinateur d'allumé derrière. Ah non. Ah bah j'entends ah, un retour. Il y a un retour ah, là. Ben, j'ai perdu le. La radio. Bah, si je l'ai éteint. Non, il n'y a pas de radio non plus. C'est bizarre. Il y avait un écho. Bah dans une autre pièce, peut-être. Peut-être, alors, peut-être. Parce que Didier est sur sa tablette dans l'autre pièce. Eh ben voilà. Oui, voilà il écoute. Problème. On n'écoute pas, peur, Didier. Mais il m'a dit qu'il était sur Internet, mais bon. Ok. Ça marche. Je lui dis d'éteindre. Non, ça va aller, c'est pas trop fort. D'accord. C'est pour pas faire d'écho. D'accord. Bon, si ça vous dérange, je vous le dites et je vais lui dire. Ok, ça va aller, on verra. Ça va aller. Bon, alors, oui, c'est vrai que je m'entends derrière. Attendez, je vais aller voir s'il est vraiment sur. Il vaut mieux que tu éteignes ta tablette parce que ça fait des échos, il paraît. Oh. Oh, c'est pas vrai qu'il dit. Jeff. Bah oui. Non, c'est voilà, c'est mieux là. Alors, ça a l'air. On va parler. Ça a l'air. Oui, c'est mieux, il n'y a pas. Voilà, c'est okay. Bien. On s'entend plus. On s'entend plus. Moi, je vous entends? Oui, ça, c'est bien. Non, mais. Ah oui, d'accord, il n'y a plus d'écho. Oh, le langage de sourd. Pourtant, il était sur Facebook, il n'avait pas mis la radio, rien. C'était sur ouais. Je ne passe pas sous un tunnel, tout va bien. Donc, voilà. Bon, on va démarrer. D'accord. Manuela, les deux premiers éléments spécifiques que je vais te donner concernent la vie publique. Souvent, la façon dont tu te comportes avec le public, et souvent, ça dévoile un peu les compétences et les capacités professionnelles. Donc, ça peut être c'est intéressant. D'accord. Le premier élément est terre des murs. C'est un très bel élément parce que tu es dans la ouais, si j'ai encore l'écho. Dans la protection et le soutien. D'accord. Protéger et soutenir.
Après, tu peux avoir un contact facile, c'est-à-dire être apprécié par par ta gentillesse. Tu aimes bien aider les gens et donc tu aimes bien rendre service. Du coup, les autres t'aiment bien aussi. D'accord. Le seul bémol sur la Terre des Murs, c'est que des fois, il cache un peu ce qu'il a. C'est-à-dire, pas un peu un petit jardin secret. D'accord, bon. D'accord ? Oui. Après, tu peux peut-être plus avoir l'envie d'être plus exécutante que directeur. C'est-à-dire, tu peux avoir eu du mal à diriger. Oui. Et être plus facile qu'à partir du moment où on te demande de faire les choses. Obéir, quoi. Alors, j'aime mieux pas hein, le mot obéir quand même, mais je sais que moi je l'ai et moi j'aime mieux qu'on me dise de faire les choses, peut-être pour ne pas avoir la responsabilité de prendre des choses en main toute seule et de faire avec les gens. Peut-être aussi parce qu'il y a un contact facile. Hein? Ok. Donc ça c'est donc premier élément. Le deuxième élément c'est feu sous la montagne. Donc le feu sous la montagne, tu as feu, c'est dans l'action. Mais le feu sous la montagne, c'est un volcan à l'intérieur. Okay. D'accord ? Donc tu peux avoir des choses qui sont restées à l'intérieur et qui, à un moment ou à un autre, vont exploser, comme des colères qui peuvent être venir d'un coup, mais se calmer aussi vite. D'accord. Tu sens ça ou pas ? Oui. Hein ? Ça, c'est le feu sous la montagne. Il est important parce que ça peut, si tu veux, faire peur aux autres. Mais après, ça peut aussi te donner la possibilité de contrôler ce feu. D'accord. Même moi, ça fait peur des fois. Ah oui. Tu dois sentir quand ça monte. Oui. Mais je peux pas, je peux pas me retenir, quoi. Je n'arrive pas. Ouais. Mais j'arrive quand même à... temporiser. Donc à ce moment-là, il faudrait trouver une activité extérieure pour arriver à canaliser ce feu. Ouais, c'est-à-dire ce feu, c'est vraiment dans l'action passion, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire beaucoup de choses avec passion. Oui, d'accord. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas dans ton sens, c'est sûr que ça doit monter. Ouais. Ces deux éléments vont bien ensemble parce que le feu nourrit la terre. D'accord ? Oui. Au niveau du potentiel, tu peux avoir eu des belles opportunités qui te présentent, qui se présentent à toi, sans, j'ai marqué sans crier gare, ça m'a fait bizarre, sans être prévenu, c'est-à-dire des choses, des coïncidences intéressantes au niveau des opportunités. D'accord. Est-ce qu'au niveau du travail, comme ça, tu as des occasions d'avoir quelque chose qui est venu sans que tu es vraiment forcé, quoi. Ouais. Juste demander ou sans penser que ça allait venir et puis en fin de compte, oui. Ouais. Voilà. Ça c'est ta meilleure carte. Oui. D'accord. Donc ça c'est un mode de fonctionnement qui aura. L'inconvénient c'est que elle est pas toute seule. Derrière, tu vas devoir faire preuve de souplesse et de compromis pour essayer d'avoir des résultats. D'accord, s'il vous plaît. Tu peux avoir eu des difficultés à garder ces situations. Et puis garder souvent un sentiment d'insatisfaction, c'est-à-dire que ça n'a pas été jusqu'où tu pensais que ça allait. Oui, c'est vrai. Donc au départ, des belles choses qui arrivent, et puis au final, bah, c'est pas vraiment ce que tu voulais, mais on t'a pas laissé tellement faire non plus. Mais je me suis pas, enfin, je suis pas obligée, quoi. J'acceptais, en fait, sans vraiment pousser plus, quoi. Ouais. Mais là, c'est presque te demander d'aller à contresens, c'est-à-dire de presque de faire ce que tu as pas envie de faire. Oui. Hein, la vie doit t'amener ça souvent. N'oublie pas que la première situation est intéressante parce que de toute façon, au plus tu vas t'y investir, au plus des opportunités
par surprise vont arriver. D'accord. D'accord. Oui. Ça, c'est la vie professionnelle. Côté public, qu'est-ce que tu montres aux autres? D'accord. Dans ton côté personnel, l'inconvénient, c'est qu'on retrouve le feu sous la montagne. Bon. Donc, on est un peu dans la même chose, c'est-à-dire des choses qui sont rentrées à l'intérieur, qui peuvent à un moment ou à un autre sortir parce qu'elles ont besoin d'être exprimées. Et là, il n'est pas tout seul, il est avec un autre élément qui s'appelle arbre de la plaine. Et donc là, on a du bois, c'est de la générosité, c'est de l'enthousiasme. Le bois, la différence entre le feu et le bois, on a envie de faire beaucoup de choses, mais on ne va pas automatiquement jusqu'au bout. Alors que le feu, il va choisir ce qu'il veut faire avec passion et il va essayer d'aller jusqu'au bout parce qu'il aime faire. Tu vois la différence? Oui. Ok. Donc l'arbre de la plaine, lui par contre, c'est un arbre tout seul dans une plaine, donc paisible, il s'intègre bien dans la nature, il s'entend avec tout le monde. Vous pouvez réaliser des belles choses parce que vous êtes performante, c'est-à-dire vous allez jusqu'au bout, malgré que c'est du bois, vous essayez un maximum d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez mis en place. Et là, c'est l'arbre qui nourrit le feu. Donc, les deux éléments vont bien aussi ensemble. D'accord ? Le potentiel que ça nous donne, c'est-à-dire que, en apparence, vous pouvez avoir des relations qui sont difficiles et ambiguës, ou peut-être mal comprises. Moi aussi, oui. Mais là, à force d'investissement, c'est-à-dire à force de vos efforts et de votre implication, vous pouvez obtenir des satisfactions. Dans un premier temps, vous pouvez être déçu, mais je pense qu'en faisant des efforts de votre côté, vous pouvez être avoir des conserver vos relations. D'accord. Vous l'avez senti, ça, ou pas? Oui. Hein? Mais cette impression de devoir toujours faire quelque chose est importante. Gardez ça en tête. Toujours faire. D'accord. Au niveau de la répartition des cinq éléments, vous avez par contre pas de bois. Malgré ce que je viens de vous dire, qui est un élément spécifique, le deuxième calcul qu'on fait, c'est la répartition des cinq éléments. Et ça nous donne les forces et les faiblesses. Le fait de ne pas avoir de bois, votre arbre de la plaine a du mal à se développer. Donc, je pense que votre énergie, votre enthousiasme, il doit être assez contrôlé. Oui. Surtout que vous avez beaucoup de terre et beaucoup de métal. Donc, la terre, ça demande la réflexion avant d'agir. Oui, longtemps même. Voilà. Et le fait de ne pas avoir de bois, justement, il y a encore, vous n'êtes pas à partir dans tous les sens. Et le métal, le fait d'avoir beaucoup de métal, c'est que vous êtes sûr de vous. Et vous savez cadrer les choses. Donc ça, c'est vos points forts, la terre et le métal, dans le fait de raisonner et réfléchir avant d'agir. Et de savoir cadrer et avoir une certaine indépendance et de la méthode. D'accord. Et le point faible, c'est le fait de ne pas avoir de bois, c'est-à-dire que votre énergie... vous pouvez peut-être manquer d'enthousiasme, ça se dit pas, mais manquer d'énergie débordante, de fantaisie peut-être. Quand on manque de bois, on peut être plus calme. Introverti, pas extraverti en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Peut-être que des amis à vous ont envie de temps en temps de vous secouer. Oui. mais enfin, elles sont assez extraverties. Moi, voilà. Enfin, moi, je suis introvertie, donc j'ai souvent plutôt des amis extravertis, en fait, que je trouve un petit peu trop. Ben oui, parce que comme c'est pas votre tempérament, c'est sûr que c'est étonnant de le voir de l'autre côté. Ouais, c'est bien de temps en temps, mais pas tout le temps.
fait. Voilà. Oui. Ça marche. Alors, au niveau de l'action et de la réaction, je m'aperçois que c'est compliqué pour vous quand vous agissez. Quand c'est vous qui mettez, qui voulez mettre des choses en place, des projets en place, vous avez souvent des portes qui se ferment et des complications derrière. Donc, je vous conseille plus de rester dans la réaction. Réaction, c'est vraiment les autres qui viennent vous proposer des projets ou qui vous proposent des opportunités. D'accord. Ça reprend un peu quand on a vu tout à l'heure pour la personnalité publique, le fait que les choses arrivent à vous, c'est bien. Laissez-les arriver à vous et à fonction de ce qui arrive, vous allez réagir et là, en fonction de votre implication, vous aurez beaucoup plus de résultats. D'accord. Oui. Alors, après, il y a le temps qui passe. Le temps qui passe, vous êtes dans une période qui a commencé en 2013 jusqu'en 2022. D'accord. Elle a beaucoup concerné un peu vos parents, avec des changements au niveau de votre relationnel avec les parents. Oui. Et certaines dates peut-être avec plus de difficultés. En fait, mon père est décédé en 2012 et puis peut-être que c'est depuis là que ça a commencé. Alors moi, j'aurais donné 2013, mais bon. Oui, mais c'est après que tout de suite. Après D'accord. 2013, je crois que j'ai perdu mon beau-père ou peut-être. Ouais. Et donc, au niveau des changements, il y aura 2017 et 2021. Donc, 2017. En changement D'accord. relationnel. Hein. D'accord. Oui. Mais une satisfaction en 2022. Ok. Vos enfants vous donnent un peu de soucis. Oui. Enfin, c'est peut-être moi qui... Donc, il risque d'y avoir souvent des tensions et des incompréhensions des deux côtés. D'accord. Surtout cette année, je pense que ça a été votre préoccupation. Oui, aussi, oui. Ouais. Par rapport au travail, il y a peut-être possibilité d'avoir eu des réussites en 2014. 2014, c'est pareil. Il n'y a pas eu un changement de poste ou un changement de... Ah oui, en fait, j'ai eu un CDI. D'accord. Oui, 2014, un CDI. Ok. Après, il y aura encore du changement en 2016 et 2020. D'accord. 2016 et 2020. Bon. Donc, c'est ça surtout... Ça bouge, c'est bien. Pardon ? Ça bouge, c'est bien. Oui, c'est non, de c'est bons très changements. Bien. Oui. Vous êtes dans une période 2013 à 2022 avec des changements. D'accord. Donc, et c'est pour ça que je vous disais, au niveau les changements vont être plus focalisés sur vos parents d'un côté et votre travail de l'autre côté. D'accord. Au niveau de votre santé, il y a une difficulté? En ce moment, j'ai mal aux oreilles et puis je pense que c'est les dents qui jouent. Enfin, autrement, c'est non, ça va. C'est ça, problème dentaire, c'est marqué. Oui, je pense que c'est une dent qui fait que j'ai problème d'oreille et puis des sinusites, enfin bref. Mais je dois le faire et j'ai du mal à faire franchir le pas. Oui, il faudrait. Il faut faire. Ouais. Il faut faire. Oui. Ok. Après, ça c'est les grandes lignes de la décennie. Mm-hmm. D'accord. Oui. Pourquoi c'est pas marqué? Ah oui. Et après l'année 2015. Donc là, on est plus dans des satisfactions personnelles, mais vous avez eu des
J'y ai, il n'y a que encore le problème de santé qui est revenu, mais en juillet, août, est-ce que vous avez eu quelque chose par rapport à votre santé qui vous a posé problème? Juillet-août. Bah, du 16 non, juillet au 13 août. 16 juillet. Non. Enfin, avec mon compagnon, c'était pas ça. Enfin, il y a eu des petits soucis. Peut-être que j'ai fait une dépression, je sais pas, une petite déprime. Ouais. Oui. Enfin, c'était un mois qui, pour moi, a une connotation un peu négative avec une problématique relationnelle. Oui, d'accord. D'accord. Qui peut avoir entraîné du découragement de votre part. Oui. Et après, je vois des difficultés avec des documents écrits. Ah. Il n'y a pas eu en début d'année? Des documents écrits en début d'année. Pour moi, non. Personnellement, non. D'accord. J'espère qu'il n'y aura pas à venir, peut-être. Non, parce que là, vous arrivez sur deux mois intéressants. À moins que je ne me rappelle pas, hein, mais ça ne me parle pas. Non. Pas vraiment. Ça va peut-être venir. Oui. Et au niveau du travail, vous avez eu, comment je dirais, plus de responsabilités, mais qui n'étaient pas celles que vous attendiez? Non, pas encore à mon avis. Pas encore. Non. Vous n'avez pas dû avoir subir des choses où vous deviez vous protéger par les collègues ou les choses qui n'ont pas été dites? Oui. Oui, là, avec. Oui. Là, en ce moment, oui, avec un supérieur. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais. J'ai mis les points sous les i, là, et puis j'attends. Mais bon, moi, je ne veux pas aller. D'accord. Je ne veux pas aller plus haut. Je sais que j'ai raison, mais bon, je n'ai pas envie de faire perdre sa place non plus. Ni, bon, voilà. Non, ouais. On va attendre mieux que les choses. Donc, trouver un. Je ne vais pas attendre trop longtemps, mais bon. Trouver un terrain d'entente, c'est ça? Trouver un terrain d'entente, et puis bon, ben, quand quelqu'un n'est pas compétent, il n'est pas compétent. Donc, voilà. Oui. Ouais. Voilà. Donc, là, j'ai un conseil sur. De vraiment contrôler au niveau de votre impatience pour que les choses ne s'enveniment pas plus. Oui, ça je ressentais ça. J'ai dit j'attends de faire les choses. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. J'attends que les choses se fassent. D'accord. Et ça va se faire. D'accord. Au niveau des dents, moi je vous quand même je vous conseille d'aller voir. Que ça oui, se dégrade plusieurs pas fois dans la journée. Oui, plusieurs fois dans la journée. Enfin, depuis quelque temps là, j'arrête pas d'avoir des. Il faut y aller. Enfin, pour moi, dans ma tête, c'est voilà quoi. Ouais. J'y pense tous les jours. Bon c'est bien. Normalement, vous finissez l'année un peu tranquillement, beaucoup plus tranquillement que ce qu'elle a commencé. D'accord. Et donc bien. Voilà, le conseil c'est ça. C'est d'essayer de balayer les derniers malentendus, mais et surtout de voilà donner un nouveau départ pour ce relationnel, que ça soit avec votre compagnon ou que ça soit avec le travail. D'accord. Parce que vous avez des influences de protection qui eux vont vous aider. Il y a des influences pour la réussite qui est possible. D'accord. Mais toujours cette possibilité de contrebalancer, c'est-à-dire de dégrader la situation qui serait dommage. D'accord, si je réagis trop. Oui. Mmh. Voilà. Ouais. Merci en tout cas. Manuela. Bon. Tout ça c'est bon. Bon, tous mes dents, j'y vais. Bon, c'était bien ça, je disais, allez, il faut prendre rendez-vous, voilà, je vais le faire. Oui, demain, je pense. Ouais. Ouais. Et puis après, bon, le conseil est de toujours feu sous la montagne maintenant que vous allez pouvoir le visualiser et pouvoir voir quand ça monte et quand il faut le contrôler. Oui. D'accord. Bon. Mais ça fait partie de vous, hein, c'est votre personnalité. Oui. Il faut dire tout de suite, je pense ces choses, et bon. Bon, Didier. Des fois, on pense que ça va s'arranger, puis voilà.
Ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Je disais qu'on va dire à Didier d'aller te prendre par la main et t'envoyer chez le... Chez le dentiste. Voilà. Non, demain je ferai. J'appelle. J'appelle demain. Ouais, j'ai eu plusieurs, comme si on me disait il faut y aller, il faut y aller. Je prends le téléphone, j'hésite, je dis ça à tout le monde, mais. Bah oui, parce que pour une dent, tu peux en avoir d'autres à côté qui tombent en panne en quelque sorte. Ouais, ouais voilà. Ouais. Et oui, c'est contagieux. Hein. D'une dent à une autre, c'est contagieux. Ouais. La dernière petite chose que j'ai oublié de dire pour le bois, hein, le fait que tu en aies pas. C'est non, vraiment mettre du vert et du marron sur toi. Ah, d'accord. En vert couleur. Et marron. Ok. Mmh. Surtout quand tu es avec tes copines. Bon. Mais normalement, je travaille en blanc, hein, mais bon. Ah ouais, mais en dessous. Ah en dessous. Oui, ok. Ah, oh, mais c'est bon alors, les dessous. Ben voilà, tu mets des dessous verts. J'ai pas dit des dessous de vert, hein. Des dessous de verre. Mais si voilà. Tu mets des dessous de verre, je veux bien venir à l'apéro, il n'y a pas de problème. En plus, c'était mon anniversaire hier, donc pas avant-hier. C'était ton anniversaire. Ouais. Voilà, donc ça, ça se fête. On va fêter. Ça se fête en verre. On n'a pas été invité. Hein. Non, j'étais au restaurant avec ma fille. Ah, ben, ça ah va. Ouais, c'est bien aussi, c'est sympa. Voilà. Ça va bien. Ça va. Bon. Les gens vont se demander mais qu'est-ce de quoi ils causent. Bon, mais je. Merci en tout cas. Merci Claire. Et bon, ben, au revoir. Et bisous Manu et puis bisous à Didier aussi. Bisous. Oui, bisous, bye. Salut. Ben voilà, c'était sympa. Très sympa. Voilà. Bon, ben, il y a le dentiste, quoi. Voilà, dentiste obligé. Oui. Ça me fait penser que je vais y aller aussi. Comme ça, vous prenez rendez-vous ensemble. Hein. Voilà. Alors, Yasmina après. Oui. D'accord. Bon, je vais essayer de l'appeler. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une impression. Enfin, on verra. On verra. Et sinon, là, en chanson, je vais vous passer Calogero. Oui. Cédi. Cédi. Non, ça s'écrit pas avec un Cédi, ça s'écrit avec un C. C'est pas une Cédi. C'est dit alors. C'est dit. Et donc Yasmine Na de suite après. Alors. Oui. Yamina. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr. Un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà. Et on retrouve donc notre amie Claire pour sa numérologie vietnamienne. Est-ce que Yamina est dans le coin? Yasmina. Ah, c'est Yasmina, hein. D'accord, parce que moi je disais Yasmina et Claire m'a dit Yamina. C'est ça, hein? Oui. Non, je m'appelle Yasmina. Donc c'est Yasmina alors, qu'on accueille alors. On rajoute un S, je suis désolée. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, ça ne change rien. Moi j'avais pas de S dans mon prénom, alors voilà. Voilà. Bon, je vous laisse toutes les deux. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est bien les S. oui. Alors, Yasmina, de ta personnalité publique, n'arrivez pas à le dire, du côté public. Donc on a l'eau du torrent. L'eau du torrent, on a deux eaux, c'est très important. Ça veut dire que tu es très bien dans la communication. Ah oui. L'eau du torrent, c'est vraiment une dynamique. C'est quelqu'un de très dynamique, très, très entreprenant. Tu peux avoir envie de faire beaucoup de choses. Mm-hmm. Et l'image forte de l'eau du torrent, c'est que ça entraîne beaucoup les autres. Tu aimes entraîner les autres et les attirer un peu avec toi dans tes projets, je pense. Oui, c'est ça. Hein? Donc,
C'est vraiment le t'imagines l'eau avec un énorme torrent derrière, boum. Donc l'inconvénient de cet élan et peut-être de cet emportement, c'est que des fois tu as du mal à voir les détails. L'heure du train, les papiers à faire. T'as tellement envie d'entraîner les gens et d'aller vers quelque chose que oui. Tu peux avoir des difficultés à penser aux détails. Est-ce que ça t'a déjà gêné? Oui, exact. Oui, tout à fait. Ça tilte à chaque fois que quand j'en parle comme ça, c'est vraiment les petites choses du quotidien qui sont moins importantes que ce que tu aurais envie de faire. Oui. Alors, il n'est pas tout seul, il est avec un autre élément qui s'appelle eau du ciel. Donc l'eau du ciel, c'est vraiment quelqu'un de très social, très souple. Oui. Et avec oui. une, tu as cette faculté de comprendre, de compréhension. Oui. D'accord. Oui. Ça, très attiré par les carrières, soit sociales, soit spirituelles, la communication avec le ciel. Est-ce que ça te parle tout aussi? Tout à fait. Hein? Oui, ça me parle, oui. Des facultés de ce côté-là? Oui, je suis. J'ai eu une formation de magnétisme. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, tu as ce don-là, et c'est bien de le cultiver. Les deux eaux vont bien ensemble parce qu'on reste dans la même idée. L'eau du ciel va même nourrir le torrent. Ah. Le seul truc, c'est que le torrent, il ne faut pas aller trop vite non plus. Juste essayer de contrôler ce torrent. Ah, d'accord. D'accord. Pour bien laisser okay. cette eau du ciel arriver. Oui. Parce que je pense professionnellement, tu as dû avoir des difficultés pour obtenir des situations, pour obtenir des belles opportunités. Les portes se sont pas ouvertes si facilement que ça. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Il a fallu que je me bataille. Voilà. Mais c'est la situation qui fait ça. Enfin, ton potentiel est comme ça. C'est-à-dire qu'en premier abord, tu as des difficultés pour obtenir des situations. Mais après, oui. en fournissant assez d'efforts, tu peux obtenir des résultats. Ah, d'accord. Donc, reste dans l'idée que ton mode de fonctionnement, il est comme ça. Et ce qui va te permettre de dire, si je n'ai pas réussi à obtenir des résultats, qu'est-ce que je peux faire un peu plus pour changer les choses? Ah oui, d'accord. Juste toujours un peu plus. Ah oui, d'accord. Il faut toujours fournir, en fait. Voilà, derrière. Parce que, comme j'expliquais dans les explications, tu as la situation numéro 3, et numéro 3, c'est vraiment fournir des efforts pour obtenir des résultats. Ah, d'accord. Mais comme en premier, tu as la situation numéro 5, c'est vraiment comme si tu avais des obstacles ou que les portes, tu as du mal à faire ouvrir les portes de la vie. Oui. C'est ça. Donc, oui, c'est ça, oui. Plus se baser sur la situation numéro 3 que sur la situation numéro 5. Ah, et d'accord. souvent même, je dis, si c'est trop facile, c'est pas drôle. Ah ben non, bien sûr. Voilà, donc je ça, pense je que... Ça, je le comprends, hein. Voilà, t'es quelqu'un qui a réussi à faire... qui aime les challenges et qui aime, avoir des situations un peu compliquées. Oui, j'ai l'impression. Voilà, c'est toujours... c'est toujours, on s'habitue après au mode de fonctionnement que l'on est. Et là, c'est vraiment de se dire non, j'aime bien quand ça provoque un challenge pour toi. Ben oui, parce que je vais devoir aller plus loin. Voilà. C'est ça. Au niveau de ta personnalité. C'est tout à fait ça. Oui, c'est ça, hein. Pardon. Oui. Au niveau de ta personnalité privée, là, on a un très bel élément qui s'appelle feu dans la cuisinière. Ah. C'est vraiment un feu donc dans l'action, mais qui est un feu protecteur. C'est-à-dire qui va se préoccuper des autres, qui va essayer de les améliorer. C'est comme faire de la cuisine. On prend des aliments et on va les améliorer pour faire un plat. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu sens ce besoin d'aider les autres et de en
vraiment dans une préoccupation de les amener vers le meilleur, de les nourrir. Oui, oui, tout à fait. Le seul inconvénient, c'est que tes deux hauts, qu'on a vus tout à l'heure avec ta personnalité publique, si tu veux, peut éteindre ce feu. Ah, donc ça veut dire que ta vie extérieure peut peut-être atténuer ta comment je dirais, ta relation personnelle, ta personnalité privée, si tu veux, a peut-être du mal à se développer dans ce sens de pouvoir aider les autres. Tu le veux le faire, mais je pense que tu ne trouves pas le terrain pour le faire. Tu n'arrives pas à te déployer comme tu aurais voulu. Oui, c'est un peu ça. Ou tu n'arrives pas à aider comme tu aurais, comme tu en as la capacité, si tu veux. Mm-hmm. C'est vraiment cette ambiguïté, et ça, tu l'auras toujours parce que l'eau est là, hein, et le feu est toujours là aussi. Après, le feu n'est pas tout seul, il est avec un autre élément qui s'appelle arbre de la plaine, qui lui va nourrir le feu, donc ce qui est pas mal. Et l'arbre de la plaine, c'est vraiment, on l'a vu tout à l'heure avec Manuela, c'est vraiment quelqu'un qui s'intègre bien, qui s'entend avec tout le monde. L'inconvénient de l'arbre de la plaine, c'est qu'il a besoin d'avoir du monde autour de soi pour pouvoir se développer. Est-ce que tu sens que tu as besoin d'attention ou de soins pour pouvoir te développer? Oui, j'ai besoin d'attention, c'est exact. Ouais. Ça, c'est l'arbre de la plaine. Hein. Ah, d'accord. C'est vraiment... cet élément-là peut être facile à vivre à partir du moment où on est plus dans le plus calme, plus posé. Mm-hmm. D'accord. Oui, au niveau du potentiel, on a donc là la situation numéro 2 plus 4, c'est-à-dire vraiment les opportunités, les relations. À mon avis, ton relationnel peut être fait avec des personnes que tu t'attendais pas au départ. Des rencontres de hasard. J'aime pas le mot hasard, mais des belles coïncidences au niveau de ton relationnel. Oui, des gens que je ne connais pas, c'est ça. Des gens que tu connais pas et qui d'un seul coup vont faire partie de ta vie. Ah d'accord, oui. Oui, c'est vrai. Tu vois, par surprise. Oui, c'est vrai. Ils arrivent par surprise. Oui, oui. Ça, c'est souvent, très souvent. Et derrière, par contre, la situation numéro 4, on est sur le fait que elles sont là, mais comme si tu avais du mal, comme si tu étais incomprise, et que l'aide que tu vas apporter, l'aide que tu voudrais, je dirais, apporter aux autres, elle est incomprise. Donc, tu es toujours en train de revenir sur tes paroles ou sur tes actes. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vraiment compliqué sur le fait que ton élan, il est là. Oui. Mais au final, tu es obligé de calmer tes ardeurs pour pouvoir être comprise par les autres. Donc du coup, tu n'es pas comprise à ta juste place, comme tu es, parce que tu as dû trouver des compromis. Et du coup, ben, peut-être finir par être déçue des amitiés que tu crées. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, cette déception, elle sera souvent là. Et souvent, le conseil que je donne, c'est d'essayer de moins attendre des autres et surtout de ce relationnel pour être moins déçu. Ah oui, d'accord. Même si eux te proposent des châteaux en Espagne, essayez de baisser ces rêves pour ne pas être trop déçu. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est un des conseils que je donne quand on est dans cette situation-là, et ça permet justement d'être plus au clair et moins d'avoir moins d'insatisfaction à la fin. Oui, et puis d'avancer. Et d'avancer, surtout d'avancer. Oui. Ouais. Oui. Voilà, ça c'est nos quatre éléments. Après, nous avons une répartition des cinq éléments qui, de base,
hein, que les Asiatiques utilisent, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et là, tu n'as pas du tout de métal. Souvent, quand on n'a pas de métal, c'est qu'on a du mal à se positionner ou à être indépendante. Et surtout, du mal à dire non quand on est dans le soin ou dans l'aide aux autres. Surtout avec au haut du ciel, tu aurais envie d'aider la terre entière. Et tu as du mal à dire, bon, ben là, la séance est finie, ou ça, c'est fini, ou ça, je n'y vais pas, ou... Tu vois, de dire et de cadrer. C'est ça, hein. Surtout quand on est dans une relation d'aide, hein, c'est vachement plus compliqué. Et ça, c'est le fait que tu n'es pas de métal du tout. Ah, d'accord. D'accord. Donc, ça peut te correspondre, parce que tu es venu avec ça, donc dans cette... gentillesse à grand cœur, mais à un moment donné, il faut arriver à cadrer et donc à apporter un peu plus de métal sur toi. Donc souvent, le conseil que je donne, c'est l'élément qui nous manque, vous le mettez sur vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte ? Donc le métal, c'est le blanc et le gris. Est-ce que c'est des couleurs que tu aimes bien ? Oui, c'est ça. Tu en mets ? Exact. J'en mets, oui, souvent. J'adore le gris. C'est très bien. Le gris pour le bas et le haut, le blanc. D'accord. Et nous, on a la chance de pouvoir mettre plein de bijoux aussi en métal. Essaye un jour de ne pas mettre ces couleurs-là. Et comme ça, tu vois comment tu passes ta journée. Et un autre jour, que tu mettes ces deux couleurs-là et tu verras la différence. Ah, d'accord. Ok. Oui, juste sur une journée, tu verras la différence. Oui, mais par contre, en bijoux, parce qu'en bijoux, je peux pas porter de l'or, hein, quand même. Hein. Ah oui, c'est possible. Je peux pas mettre de l'or, puisque l'or, ça ne va pas avec les énergies. Oui, mais donc faut prendre autre chose. Eh oui, je peux peut-être porter. Je porte des bijoux qui sont justement faits pour me protéger. Oui. Avec des pierres, des minéraux. Voilà, c'est ça. Eh ben, les pierres sont l'élément métal, sont considérées comme l'élément métal, puisque c'est quelque chose qui a été fabriqué par la Terre. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. C'est bon alors, c'est bon. Oh, oui, c'est bon. C'est très bien. C'est ce que je porte. C'est très bien. Après, donc, en action et réaction, je pense que tu as plus de facilité quand c'est toi qui agis. Pour obtenir des résultats. Alors, Yasmina, là, on va passer au niveau du temps qui passe. Oui, oui, d'accord. Donc, tu es dans une nouvelle décennie depuis 2013 jusqu'à 2022. Ah, d'accord. D'accord ? Oui. Avec une vie de couple, peut-être, qui a bougé beaucoup déjà. Oui, oui, c'est vrai. Hein ? Oui, oui. Surtout cette année ? Oui. Et par contre, satisfaction, je dirais 2016-2018. Ah, d'accord. D'accord, satisfaction à venir. Donc à suivre. Hein. Oui. Après, il y a des possibilités au niveau des finances. Il y a eu, je sais pas comment, tu as eu des hauts et des bas, mais tu as eu une rentrée cette année peut-être. Non, puisque je suis à la retraite maintenant. Et tu n'as pas même si tu es en retraite par rapport à ton travail, cette année, il n'y a pas eu des facilités financières ? Non. Ou des entrées d'argent ? Non. Pas du tout ? Non, pas du tout, non. D'accord. Donc ça, je vais le noter. Voilà, moi j'avais vu ça, mais je peux me tromper. Après, au niveau des protections, est-ce que au niveau... Donc, le travail, tu ne fais plus de travail depuis longtemps ? Eh bien, j'ai arrêté depuis 2009. Hein. 2009. Oui. D'accord. Parce que moi, j'ai trois dates, 2013, 2017 et 2021, avec une activité. Est-ce que tu as fait dans une association à côté ou quelque chose ? Oui, 2013, en ce moment, j'assiste les coureurs pour... je fais de la CIBI, si vous voulez.
avec mon ami, mais c'est-à-dire je fais la sécurité routière, hein, mais c'est bénévolat. Hein. D'accord. Oui, mais ça n'empêche que ça va être, ça n'empêche que c'est pour moi considéré dans la case travail, comme si on peut dire, quoi, la composante travail. Et moi, je vois donc que ça va bouger à ce niveau-là. Donc, c'est né, même si c'est pas un travail salarié, c'est quand même une occupation, je dirais. Oui, c'est une occupation. D'accord. Oui, c'est exact, oui. Donc, Par contre, moi, je voulais débuter dans le magnétisme, mais je ne sais pas quand je peux commencer à le faire. D'accord. Ben, moi, je vois une réussite, mais en 2022. Donc, est-ce que ce serait peut-être dans la décennie à suivre où tu aurais plus de possibilités? Ah oui. Peut-être avec un choix à faire. Alors, ça paraît très loin. Ça paraît très loin, mais de toute façon, moi, ça bougera. Hein. Ça bougera en 2013, 2017, 2021. Et je pense que là, ça va t'apporter vers du mieux jusqu'à 2022. Donc, c'est peut-être ça que je vois au niveau du changement. Et comme s'il y avait un blocage pendant les 5 premières années, c'est-à-dire 2013 à 13, 14, 15, 16... 17, et qu'après ça aille mieux. Qu'à partir c'est de possible, 2017. Parce que c'est vrai qu'il y a un blocage, oui. Ouais. Je vois que ça bouge pas, ça veut pas. Pourtant, j'ai envie de le faire, mais peut-être aussi du fait que je suis un appartement trop petit et que je cherche justement un appartement plus grand, peut-être qu'il y a ça aussi qui fait que ça bloque. Non, je pense que c'est les influences que j'ai là. Que tu as pendant cette période-là, qui va être une préparation à. Surtout quand on travaille dans ces métiers-là, je pense qu'il y a besoin, comme moi, quand j'ai commencé à apprendre cet outil-là, il a fallu quelques années avant que je puisse le développer. Ah d'accord, donc, c'est-à-dire je vais aller plus loin. Oui, mais il faut progressivement, j'irai le mettre en place. Cette décennie-là, moi, elle avait plus un rapport avec ta vie de couple. Parce que là, il y a des choses à mettre en place. D'accord ? Ah d'accord, ok. Et je pense qu'avec ton travail, il va y avoir des changements aussi, qui sera moins la priorité pour une préparation à. Le travail que je fais actuellement en bénévolat ? Non, le travail que tu me dis au niveau du magnétisme. Ah, du magnétisme. Et ça ne sera pas mis en place tout de suite, alors. Ça ne sera pas mis en place tout de suite, mais comme je te dis, c'est parce qu'il y a une préparation à avoir. Oui, c'est exact. Je suis en train de... c'est-à-dire que là, je voudrais déménager pour avoir un appartement plus grand et aussi, par la suite, pouvoir mettre tout doucement en place parce que je voudrais apprendre autre chose. Et oui, et pouvoir recevoir. Voilà, c'est tout à fait ça. D'accord. Oui, parce que les gens, ils ne viennent pas comme ça, il faut les trouver. Oui. Et puis de se faire connaître, c'est toujours le plus... Ça, oui, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que le grand changement, tu vas le faire progressivement et ça peut arriver pour la fin de la décennie. Tu dois laisser venir doucement. D'accord. Et oui, c'est surtout progressivement parce que... Prends les dates que je t'ai données, hein, donc au niveau du travail, 2013, 2017, 2021 et surtout 2022. Donc c'est pour ça que je dis la première partie, ça doit bloquer et qu'à partir de 2017, ça ira mieux. Ah d'accord, pas 2016 alors. Pas 2016, non. Non, alors 2017 alors. 2016, c'est plutôt ta vie de couple. Ah d'accord. D'accord ? Oui, d'accord. Et au niveau de l'année 2015, tu as dû sentir des difficultés, je dirais, en début d'année, les deux premiers mois de l'année, février jusqu'à avril. Oui. Professionnel, tu as une année difficile, je dirais, parce que même les mois qui pour moi me paraissaient positifs, tu as des influences qui ont peut-être modéré ça, modulé. Oui, tout à fait.
Donc il y a beaucoup de tristesse et de découragement, je dirais. Ben oui, parce que je me donne beaucoup et je vois que ça aboutit pas beaucoup. Ça bloque un peu. Oui, et oui. À mon avis, cette année était plus une année de blocage. Ah, d'accord. Mais ces blocages ne sont jamais pour rien. Ah. Hein? Je pense que là, par rapport à la fin de l'année, tu vas pouvoir... Alors, il y a des papiers, des documents que tu dois écrire ou pas avant la fin de l'année, ou des trucs, des papiers à signer. Ah bon? Non. Et c'est pourquoi? Je ne sais pas. Par rapport à ta vie professionnelle, par rapport à l'association, peut-être? Non, j'ai rien. Donc, rien prévu. Retiens, donc, au niveau des deux derniers mois, c'est-à-dire du 11 décembre jusqu'au 7 février, parce que mon année 2015 va jusqu'au 7 février. Oui. Donc là, prudence au niveau des documents à écrire, à signer. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Oui, oui. Parce que savoir que ça ne te provoque pas au niveau de l'association, que ça ne te met pas en porte-à-faux. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. D'accord. Oui, oui, d'accord. Au niveau de ta santé, ça va? Oui, ça va, un peu fatiguée, mais bon, quand je le fais, j'ai des énergies, ils partent, hein, c'est normal. Hein. Oui. Donc, se protéger, bien se protéger. D'accord. Avec les minéraux que tu disais, pour te protéger, c'est bien. Oui, oui, oui. C'est très bien. D'accord. Et puis, moi, je reste sur l'idée que du point de vue finance, il y a eu quand même quelque chose de plus ou moins satisfaisant. Peut-être pendant ce mois-ci, là, du 12 novembre au 10 décembre. Ah bon? Il va y avoir une rentrée d'argent, alors? Il pourrait y avoir une rentrée d'argent. Ah bon. Et mais ça concerne moi toute seule ou l'ensemble? Ça concerne toi. Ah, d'accord. Ok. D'accord? Oui, oui, oui. Voilà les quelques pistes que je peux te donner. Moi, je pense que vraiment, tu es dans un moment où il faut, en toute humilité, observer ce qui se passe et te préparer. D'accord. Te préparer, je dirais, pour à partir de 2017, les influences te bloqueront moins. D'accord. D'accord. Oui, mais je voulais vous demander, est-ce que c'est possible que je vous pose une question ou pas? Ça dépend. Non. Ça dépend. D'accord. Quand c'est au dernier moment, des fois je peux voir, des fois je peux pas. Dites-moi. Ah oui, d'accord. Oui, c'était pour le déménagement. Un déménagement qui est prévu? Ben, j'aimerais partir du Luc, parce que je suis au Luc. Hein. Moi, je suis dans le 83, donc dans le Var. Ouais. Et j'aurais voulu aller une ville un peu plus loin, c'est tout. Voilà, parce que la ville où j'aimerais aller, là, un peu plus loin, elle est peut-être un peu plus petite, parce que c'est un village. Hein. Mais seulement, il y a plus de... On va dire, c'est plus de forêt. Je me sentirais mieux. D'accord. C'est par rapport au magnétisme, hein, je vais vous dire, parce que on ressent des choses. Hein. Alors, par rapport à certaines influences qui, moi, me fait parler de mouvement, oui. D'accord, oui. J'en vois peut-être, mais légèrement, l'année prochaine, 2016. Oui, oui. Pas 2017, peut-être 2018. Moi, c'est surtout 2020, mais non, ce sera pas. Ouais, donc le meilleur ce sera peut-être l'année prochaine. Parce qu'après, ça va vous amener en 2020. Ouais. 2020, il y aura un autre changement. Ah oui. Ouais. Et donc, ça sera dans le Var quand même. Je ne sais pas voir. Ah, d'accord. C'est Jeff qui peut voir des choses comme ça. C'est simplement que c'est un mouvement. Donc, un mouvement, un changement. Vous pouvez faire 50 km ou 100 km ou 200 km. Ça, je sais pas voir. Ah, d'accord, ok. Je sais que cette année 2020 va être coupée en deux et il va y avoir du mouvement. Ah,
Mais après, c'est à vous de voir comment vous allez le faire, ce mouvement. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui. Et 2020 est une bonne année pour bouger. Ah bon. Mais 2016, c'est pas bon, si. Et 2016, ça peut être... Si, si, vous avez d'autres influences qui... Mais pas... C'est pas vraiment là, quoi. Ça serait subi. Oui, mais... Ça serait un déménagement subi. Je pense que c'est pas ce que vous voulez. Ben, c'est-à-dire que j'aimerais déménager parce que, justement, j'ai pas assez de place. Ouais. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est un peu d'espace. Là, j'ai 15 studios et j'aurais voulu avoir un T2. Ouais. Vous comprenez? Oui. Des fois, on a besoin d'un peu d'intimité, nous, les femmes. Oui, non, je comprends. Mais voilà, moi, je vous dis, 2016, oui. 2018, une petite ouverture. Oui. Mais la meilleure, c'est 2020. Ah, d'accord. OK. Au niveau des influences que moi, je vois devant moi. Oui, bien sûr. Voilà. OK. D'accord. Voilà, Yasmina. Merci beaucoup. Un grand merci aussi. Merci, voilà, Claire. Merci pour ta patience, Yasmina. Oui. Pardon ? Merci pour ta patience, Yasmina. Oui, j'ai de la patience. Oui, parce que le Skype, ce soir. Oui, on va jongler. Voilà. Bon. Ben, je vous souhaite beaucoup de courage et une bonne soirée à tout le monde. Et merci. Je vous remercie beaucoup. Merci, Yasmina, merci. C'est gentil. Voilà, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée, merci. Oui. Alors, on a quelques petits messages. Mmh. Oui. Alors, il y a le premier message qui nous vient de Christophe. Bonsoir Claire et bonsoir Jeff et un bonsoir à tous. Claire, ma chambre d'amis est ouverte en permanence maintenant. Je ressens plus d'énergie. Merci à toi et bonne soirée à tous et deux petits cœurs. Ouais, c'est bien, il a assisté à la conférence sur le Feng Shui, c'est très bien. Bah super. Après nous avons Elodie qui revient, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu. Coucou tout le monde, retour sur les ondes, ouf. Un plaisir de vous retrouver, de gros bisous à vous tous et toutes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits cœurs. Encore bon anniversaire à toi Jean-François, donc c'est pour moi, hein. Et comme je suis une étourdie, Elodie, bon anniversaire aussi à Jean-Marc. Donc Jean-Marc, ça doit être Jean-Marc le camionneur. Hein. Voilà, d'accord. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Donc voilà, bah, si c'est son anniversaire, je souhaite bon anniversaire aussi en direct sur les ondes. Oui. Voilà, et un gros bisou qu'elle fait. Après, nous avons Emmanuel. Bonsoir Claire et Jeff et à tous les auditeurs. Voilà, et c'est tout, je crois, pour le moment. J'actualise. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. Il y en aura d'autres tout à l'heure. Voilà, alors... Merci à tout le monde. On va accueillir Laure, je crois. Hein. Oui, Laura. Laura, pardon. Oui, j'ai oublié Laura. Tout à l'heure, j'ai oublié Annès. Maintenant, j'oublie Laura. Laura, qui vient juste de m'appeler en plus. D'accord. Et en attendant, on va s'écouter Patrick Bruel. Alors, regarde. Mais vous, il ne faut pas regarder, il faut écouter. Hein. Oui. Voilà, c'est pas pareil. Hein. Allez, Patrick Bruel et Laura de suite après. À tout de suite. Bienvenue sur LTURadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site LTU-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet inscription. De là, vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt. Salut. Et on retrouve Claire accompagnée de Laura pour la numérologie vietnamienne. Voilà. Claire est de retour. Allô, Laura. Allô. Voilà. Bah, ça marche, Laura. Oui, ça marche. Super. Voilà. Allez, je vais vous laisser toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure, chef. Enchantée de vous connaître. Merci, moi aussi.
Déjà, on va retrouver un des éléments qu'on a vu tout à l'heure pour Yasmina, c'est l'eau du torrent. Les deux premiers sont voués de votre élément, de votre personnalité publique. Ce que vous montrez aux autres, et souvent c'est la personnalité professionnelle. Donc, eau du torrent, c'est une eau... Excuse-moi, j'affiche davantage une personnalité professionnelle, c'est ça? C'est ce que vous affichez, oui, du point de vue public professionnel. Ok. Je vous entends, ça va? Oui, j'entends très bien. Je voulais juste savoir si je comprenais bien. D'accord, très bien. Oui. Merci. Donc, les deux premiers éléments vont concerner votre vie publique. Comme une pièce de monnaie, le côté face et le côté pile, ce que vous montrez aux autres, mais souvent c'est aussi vos compétences professionnelles ou ce que vous montrez dans les situations professionnelles. Et puis l'autre partie, les deux autres éléments seront plutôt votre personnalité privée, ce que vous montrez en intimité avec votre famille et vos amis, vos proches. Ça va? Oui, parfait. Donc le premier... Les personnalités sont différentes? Elles peuvent être différentes. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être différent. Ok. Ok. Et des fois, ça peut être complètement différent quand on est à l'extérieur et chez soi. Et là, vous allez voir. Vous allez essayer dans ce que je vais vous dire, ce que vous allez comprendre. Ok. Et le premier élément qu'on vient de voir, c'est l'eau du torrent. L'eau du torrent, c'est de l'eau, donc on est bien dans la communication, dans la facilité à communiquer, mais c'est un torrent, donc ça peut être une communication qui veut entraîner les autres. C'est une communication qui pourrait être rapide. Je dis bien qu'il pourrait, parce que votre deuxième élément est là pour le bloquer. Mais restons sur le premier déjà. Eau du torrent, donc, vous êtes à l'aise dans la communication. Et donc, l'inconvénient de cette eau du torrent, c'est que souvent, il entraîne les autres, mais il ne voit pas les détails. C'est-à-dire qu'il ne fait pas trop attention aux petits détails qui pourraient être importants. Ce qui pourrait être important. C'est-à-dire, souvent, c'est l'horaire du train, les papiers qu'il faut apporter, le dernier document que j'ai oublié d'imprimer. Vous voyez les petites choses qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier. D'accord. Et l'eau du torrent est souvent ça. C'est j'y vais et puis après on verra. Est-ce que vous avez senti un peu ça? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Plutôt quelqu'un de, entre guillemets, méticuleuse. Oui. Donc, soucieuse du détail. D'accord. Et surtout dans ma vie professionnelle. Oui. Donc, ça me paraît un peu surprenant et d'autant plus accentué dans ma vie privée. Et quand vous étiez jeune, pareil. Oui, peut-être un peu moins, beaucoup moins. D'accord. Beaucoup moins en étant plus jeune, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, votre deuxième élément, et c'est pour ça que je vous dis, il peut ne pas s'être développé correctement, votre deuxième élément est le terre de la plaine. Et la terre bloque l'eau. Comme si la terre faisait un canal. Et donc, pouvez canaliser cette eau du torrent. On l'a vu tout à l'heure avec Yasmina, elle avait l'eau du torrent qui pouvait emporter les autres. Elle l'avait complètement. Oui, c'est pas grave. Mais vous pourrez, quand vous réécouterez... Chaque femme est unique, donc moi c'est moi... Oui, chacun est unique, tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis ça dépend de la combinaison. Et vos deux combinaisons sont deux éléments qui sont antagonistes. D'accord. C'est-à-dire que la terre va bloquer l'eau. D'accord.
Et pour moi, ça me fait dire que votre eau, elle est canalisée, votre communication est canalisée. La façon dont vous faites les choses, c'est canalisé. Quand vous dites canalisé, c'est-à-dire c'est en guidance avec la lumière pour parler spirituellement. Alors, pas automatiquement pour la lumière, mais c'est surtout que vous arrivez à donner du cadre. Quand vous disiez que vous étiez méticuleuse, ça, c'est votre terre de la plaine qui fait ça. Et qui permet de canaliser votre eau du torrent, qui aurait pu avoir cet élan excessif. Mais comme vous avez su le canaliser, vous arrivez à dompter cette eau. Et j'utilise vraiment l'image de canal parce que c'est vraiment un canal. C'est-à-dire un eau du torrent, ça peut être un torrent, mais à partir du moment où on lui a mis des barrières et un barrage, ben on l'a canalisé. Vous comprenez l'image que je vous passe derrière? Parfaitement, et pour moi c'est plutôt bien vu parce qu'il y a cette image de canalisation qui évite les dégâts, entre guillemets. Voilà. Et le fait d'avoir cette combinaison des deux vous va bien. Mais c'est surtout que vous va bien, mais vous... Parce que c'est vous. Oui, tout à fait. D'accord ? Tout à fait, oui. Après, ça me va bien. La terre de la plaine peut vous avoir aussi emmené vers des activités humanitaires ou d'aide. Au niveau du potentiel, là par contre, vous pouvez avoir rencontré dans la vie des difficultés au départ pour vous réaliser. Des portes qui se ferment pas, qui s'ouvrent pas automatiquement. Ouais, c'est exact. Donc, certains obstacles. Mais à force de votre ténacité, je pense que vous avez obtenu des beaux résultats. Obtenu, oui, mais voilà. Ça s'ouvre, ça ferme, comme vous avez si bien dit. Voilà, ça s'ouvre et ça se ferme, c'est tout à fait ça. Et ça rouvre de nouveau. Oui. Et ça risque d'être ça souvent. Oui, mais bon, il serait temps que ça reste totalement ouvert maintenant. Alors, votre mode de fonctionnement sera comme ça. Pensez que quand ça se ferme, c'est qu'il y a un cheminement à faire supplémentaire pour que ça se rouvre. Oui, j'ai bien compris la leçon. Oui. Donc, bien savoir prendre du recul par rapport aux situations et dire, bon, qu'est-ce que je peux changer? Oui. Parce que vous avez la possibilité de changer les choses, ce qui est bien. Oui, je suis de plus en plus consciente de mon potentiel intérieur. Voilà, très bien. Après, on a donc dans votre personnalité privée, ce que vous avez entre chez vous, dans votre et fort intérieur déjà, et de votre relationnel, c'est le premier, c'est or dans la mer. Or, ça veut dire quoi, or? Or, comme de l'or, métal. Voilà, okay. Qui est métal. L'or donc, dans la mer. Wow. Dans la mer. La mer de si. Oui, dans la mer. Ça voudra dire que votre côté précieux est caché. Oh, c'est dommage. Non, c'est dommage, mais vous avez du coup, c'est difficile de savoir exact de que il faut en fonction de ce que aller il faut aller au-delà d'une certaine apparence pour découvrir vos trésors. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous connaître. Pour arriver à découvrir vos qualités, je crois. Oui, c'est tout à fait vrai. Vous êtes quelqu'un de secret. Oui. Qui a un peu des difficultés à s'extérioriser. Oui. Surtout du point de vue des sentiments. Oui. Mais ça n'empêche que comme vous êtes métal, or, c'est vraiment métal, c'est de l'indépendance, c'est quelqu'un de méthodique. Vous êtes, ça avait de la méthode. Là, ça reprend. Oui. D'accord. Et cet or dans la mer n'est pas tout seul. Il est accompagné d'un autre métal qui est or des épées. Oh, ça fait peur. Oui, ça peut. Votre façon d'être méthodique peut, même si vous êtes capable de bienveillance vis-à-vis des autres.
Vous pouvez avoir l'idée de trancher, c'est-à-dire d'être un peu exigeante. Oui, tout à fait. Hein? À partir du moment où vous avez cadré les choses. Oui. Hein? Ouais. Donc, pensez bien que ça, c'est l'or des épées. Faudrait de temps en temps penser qu'à partir du moment où vous serez trop ou autoritaire ou directive, surtout dans votre partie intime, ça, c'est cet élément qui prévaloit, qui prend le dessus. Oui, c'est vrai. D'accord ? Oui. Elle aussi pour dompter ça. Il faut adoucir votre épée. Oui. Maintenant, de savoir que c'est ça, je pense qu'il faut plus aller chercher vers ce côté précieux qui est enfoui dans la mer. Et donc, rester dans cette bienveillance aussi. Et de pas trop trancher, pas trop pouvoir prendre du recul par rapport à ça, peut-être. Après, au niveau du potentiel, il y a un bon relationnel. Et surtout, je pense que les rencontres que vous faites sont toujours par coïncidence, par surprise. Oui, ça c'est vrai. Ça sera toujours. Oui. Donc... de très belles rencontres, mais qui restent, on va dire, éphémères, qui ne durent pas. Qui peuvent rester, oui, c'est peut-être. Après, c'est en fonction justement de votre comportement qui fera, et d'essayer de développer votre côté précieux plutôt que de développer le côté épais. Je suis y arrivée. Ouais. Et voilà. Au niveau de la répartition des cinq éléments, l'élément qui vous manque, c'est le feu. Et je pense que là, on l'a bien entendu, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui ne bougeait pas dans tous les sens. C'est posé. Ce que vous faites, c'est posé. C'est réfléchi. Oui. Et ça, c'est l'élément faible, c'est le feu, alors que votre élément fort, c'est l'eau. Vous faites un métier par rapport à la communication ? Oui. C'est-à-dire ? Je faisais, puisque j'ai arrêté il y a deux mois. Travaillais dans la... Enfin, j'avais un business où j'étais en contact avec le public. D'accord. Donc oui, et auparavant, j'ai exercé aussi des fonctions en rapport avec le public. D'accord. Et au niveau de l'écriture ? Écriture automatique. Vous en faites ? Non, pas encore. Et écrire un livre ? J'y ai songé parce que ma vie est un roman. Oui. Et j'ai songé à maintes reprises. Mais j'ai dit que je le ferais pour mes vieux jours, pendant mes vieux jours. D'accord. Commencez à prendre des notes, c'est intéressant. Ben, ma vie est déjà dans ma mémoire, avec tous les détails, hein, parce que j'ai vécu et je suis toujours en train de vivre une vie exemplaire et passionnante, même oui. si c'est parfois très difficile. Mais c'est des expériences que j'ai choisies, on est responsable hein, de tout ce qui nous arrive, donc tout à fait. Je l'admets. Et aujourd'hui, je ne sais pas, en numérologie, si je peux me permettre, je ne sais pas si c'est possible d'avoir une orientation pour les encore 500 belles années qui me restent, une orientation concernant ma vie, notamment professionnelle et sentimentale. Possible. Là, je voulais juste rebondir sur le fait que vous avez beaucoup d'eau, donc beaucoup dans la communication,
Vous pouvez avoir des capacités pour l'écriture, donc moi je faisais juste une parenthèse sur le fait que profitez de ce qui est de vos points forts à développer. Et acceptez les points faibles, c'est le manque de feu. Est-ce que vous aimez la couleur rouge et orange? Beaucoup l'orange. Chez moi, il n'y a que de l'orange. Ça, c'est bien parce que ça vous nourrit, ça vous amène le feu que vous n'avez pas. Ça me donne de belles énergies, ces couleurs. C'est très bien. Ouais. Ça vous donne ce feu. Ah. Vous en avez des vêtements? Oui, aussi. Essayez de voir le jour où vous en mettez, comment vous êtes. Ouais, rayonnante. Ouais, certainement. Certainement. Aussi bien extérieur qu'intérieurement. Oui, c'est ça. C'est bien. Alors, la troisième information importante au niveau du potentiel, c'est votre potentiel au niveau de l'action et de la réaction. À chaque fois, vous devez fournir des efforts pour arriver à obtenir des résultats. Oui, alors c'est fatigant. Oui, je sais. Juste au niveau de l'action, quand c'est vous qui agissez, qui mettez les choses en place, le petit bémol, c'est que c'est souvent les autres qui profitent des résultats que vous obtenez. Absolument, mais 100% vrai, Claire. C'est pas pour rien que vous appelez Claire. Merci. Donc, moi, je conseillerais de rester dans la réaction. Autrement dit, c'est-à-dire laisser les choses venir à vous et réagissez pour avoir des résultats. Okay. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous pouvez les changer en réagissant. C'est-à-dire, réagir, c'est lâcher prise. Non, pas du tout, justement. C'est de vouloir mettre les choses en place, mais c'est vous qui réagissez et qui voulez mettre les situations en place. Parce qu'il vous faudra toujours fournir des efforts. C'est-à-dire que c'est moi qui fixe les règles, entre guillemets. Oui, mais ce sont les autres qui vous proposent quelque chose. Alors que l'action... L'exemple simple que je prends, l'action, je vais envoyer mes CV par rapport au travail, je vais envoyer ma candidature... À tout le monde. Ouais. Et là, j'aurais pas beaucoup de réponses. En réaction, par contre, je vais attendre qu'il y ait une offre d'emploi ou une proposition et je vais l'accepter. Et là, du coup, je suis plus dans la réaction. Ah, ok. Vous voyez la différence entre les deux? Oui. C'est-à-dire être sélective, c'est ça? Être sélective et surtout prendre les choses qui arrivent dans votre vie ou vouloir changer les choses qui arrivent. Oui, c'est ça que je ne sais pas très bien faire. Alors que si vous êtes dans l'action, c'est vous qui voulez mettre les choses en place, c'est vous qui voulez mettre les projets ou les opportunités en place ou ouvrir un magasin ou créer une association. Là, vous êtes dans l'action. Et si c'est vous qui le faites, ça sera plus compliqué et vous n'aurez, ce seront les autres qui auront des résultats. Oui, j'ai vu. Autrement dit, attendre qu'on m'appelle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, ouais. C'est pareil dans la vie sentimentale, attendre que mon prince charmant me demande la main. Oui, peut-être. Mais, c'est ça, enfin l'exemple de la réaction, c'est ça? C'est ça, la réaction. L'explication de la réaction, c'est ça. Oui, mais comme vous... Je vais comprendre avec mes métaphores. Oui, mais comme vous, dans la situation personnelle, privée qu'on a vue tout à l'heure, les relations vous arrivent par surprise, laissez-les arriver par surprise. Mmh. Et là, vous serez dans la réaction. Ah, super. D'accord? Ouais. Ok. Maintenant, on va parler du temps qui passe. Ok. Donc, vous êtes dans une nouvelle décennie depuis 2014. Oui, c'est clair. Jusqu'à 2023. 2023. Nouvelle D'accord. Décennie. Ok.
Donc, dans cette décennie, vous avez eu des, ça a commencé que l'année dernière, donc vous n'avez pas beaucoup de recul par rapport à ça. Mais il y a des facilités, ça a surtout concerné votre vie sociale et votre vie de couple. Et vie sociale, moi, je vois une satisfaction, donc je ne sais pas par rapport à une clientèle ou par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Vie sociale, c'est souvent les collègues de travail ou vos amis. Ben, je n'ai pas de, justement, je n'ai plus de... D'activité ? D'orientation, oui, et d'orientation professionnelle. Vous avez des projets ? J'ai quelques projets, mais qui paraissent peu viables. D'accord. Et fiables, puisque c'est dans le domaine du soin. Oui. Et puis, je veux plus faire aujourd'hui de... J'ai trouvé du travail, j'ai démissionné, j'ai eu un très bon contrat, mais je suis plus dans cette énergie d'exploiter les gens, je suis plus... Voilà. D'accord. D'accord. Donc moi, je vois plus des au niveau... alors clientèle peut-être, mais il y a une satisfaction au niveau de votre relationnel social en 2017 et 2019. Mais entre temps, je vais pas vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas? Non. Entre temps, il y a vos finances qui ont beaucoup bougé en 2014 déjà. Oui, beaucoup. Ça va encore bouger en 2018 et 2022. Quand vous dites bouger, c'est... Il va y avoir... Alors, bouger, je ne sais pas à quel degré. Je sais juste vous dire que ça va bouger, peut-être avec une insatisfaction derrière, c'est-à-dire ça ne provoquera pas automatiquement des difficultés. Mais ça vaut surtout, je pense que ce qui sera le plus agréable sera plus en 2020. Bien faire la différence entre, quand je vous parle de changement, qui est changement soit à la hausse, soit à la baisse. Oui. Alors que réussite, c'est plus à la hausse. D'accord. Donc changement, ça peut être les deux, quoi. Ça peut être les deux. Ouais. Ben, mais vous êtes dans une décennie où il y a, vous avez des facilités financières. Ouais, c'est ce que je ressens énormément. Ouais. Qui se concrétise au quotidien par une certaine forme d'abondance, bien sûr, pas encore suffisante. Ouais. Mais comme je suis orientée vers un esprit de gratitude, donc chaque jour, ça s'amplifie. Oui. Oui, oui. Moi, il y a des belles influences pour ça. Oui, d'une façon un peu miraculeuse d'ailleurs. Quand je dis miraculeuse, c'est inattendu. Oui. Et je reste confiante. Vous avez raison. Ouais, même si aujourd'hui, j'ai pas de source de revenus, voilà. D'accord. L'univers. j'ai envoyé la commande à l'univers quant à mes besoins. C'est bien. C'est bien. Vous avez la possibilité, il y a plusieurs influences qui me parlent de protection. Ouais. Il y en a une qui me parle d'incendie, donc il faut être prudent au niveau de l'électricité ou des brûlures. Ok. Le feu, vous avez déjà subi au niveau du feu ? Jamais de ma vie. D'accord. Donc il y a juste ce bémol à faire attention. Vous pouvez avoir de temps en temps... Ah, c'est revenu, j'ai encore une influence sur le niveau de l'écriture. Ah. D'accord.
développement artistique ou créatif? Ben, c'est vaste, créatif ou artistique, dans quel art? Je ne sais pas, ça c'est vous. Est-ce que vous avez des aptitudes avec les mains? Oui, j'ai un don de guérison. De guérison. Mais on revient sur l'écriture. Ouais. Est-ce que vous faites l'écriture automatique? Non, mais j'ai une facilité, oui, pour écrire. D'accord. Donc, voilà, à cultiver. Okay. À cultiver. Pour l'année 2015, cette année, elle a été vraiment toute, je dirais, confiance et toute humilité. Ouais. Vraiment un état d'esprit d'humilité. Ouais. Malgré une période chaotique, tant au niveau professionnel que financière. Oui. Ouais. Mais cette année, vous êtes plus tournée dans un recueillement. Oui, c'est vrai. Je passerai bien beaucoup de temps à méditer. Oui. Non, c'est bien. De toute façon, ça ne peut que vous ouvrir vers augmenter des protections et vers le meilleur. Oui. Est-ce qu'il y a eu un problème avec votre papa cette année? Cette année, un grand rapprochement puisque papa nous a quittés en 2005. D'accord. Depuis 2005, on est en 2015. Et de plus en plus, je lui parle, il vient dans mes rêves. D'accord. Et un rapprochement d'âme à âme. D'accord. Avec mon papa. D'accord. Parce que je sais qu'il est la pièce maîtresse. J'ai compris qu'il est la pièce maîtresse pour demain. Faire le bon choix pour mon compagnon de vie. D'accord. Sur le plan sentimental. Ouais. D'accord. Et donc je me suis rapprochée de lui parce que mes choix de conjoint, parce que j'ai eu pas mal de conjoints dans ma vie, ont été faits en fonction justement de ce que papa m'avait pas donné. Donc d'accord. C'était des scénarios répétitifs. Ouais. Ouais. Donc pas, ça serait pas, c'est bien que cette année, vous justement, avec ce relationnel, vous puissiez justement éclaircir la situation pour vous libérer. Oui, justement. Ouais. Hein? Et je sais que de là-haut, il m'aide énormément. Oui. Ce qu'il n'a pas pu me donner sur Terre, c'est son boulot, hein. Il me donnera de là-haut. Il ne pourra pas échapper. Hein. D'accord. Enfin, il m'a donné, mais c'est ce que mon regard n'a pas vu, n'a pas compris. Ouais. Il a fait de son mieux, hein, bien sûr. Après, il y a trois mois cette année qui auraient pu être compliqués. Deux qui se sont passés. Un qui est en mars-avril. Ouais. Où ça a pu être compliqué. Très compliqué, puis, ouais. Voilà. Très, très compliqué. Ouais. Du, j'arrivais et puis, pas à vendre... la complication, c'est que je trouvais plus de. Ça faisait 2 ans et demi que je trouvais pas un cédant pour mon business. Ouais. Donc c'était un gouffre financier, psychologique et. Ouais. Oui. Et là, vous êtes. Il y a eu aussi en août-septembre, fin août, début septembre. Oui. Oui. Presque. On va dire une crise. Psychologique, oui. Et peut-être que c'était la mort de l'ego, quelque part. Des doutes, beaucoup de doutes. Ouais. Donc, conseil sur le contrôler l'impatience, c'est-à-dire essayer de vraiment poser les choses, ne pas aller trop vite. Ouais. Après, là, vous êtes dans des mois plus faciles, mais je mettrai un bémol sur... une prudence au niveau du 10 janvier jusqu'au 7 février.
On sera déjà en 2016, mais pour moi, on est encore en 2015. D'accord. D'accord. Ah, parce que le 10 janvier, j'ai un voyage très loin, à l'étranger. Voilà. J'allais dire, il y a des petites dépenses un peu plus conséquentes. Mais je ne paie rien. Mais offert. D'accord. Donc là, bien contrôler votre impatience à ce niveau-là. Ouais, je l'ai bien noté. Ok. Voilà. Et donc, Laura. Oui, merci infiniment, Claire. Et donc, côté vie professionnelle, un peu plus de précision, si c'est possible. Alors, au niveau de la vie professionnelle, comme je vous disais, il y a de 2016 à 2018, comme si vous deviez vous protéger. Donc vous allez travailler avec plusieurs personnes, mmh. Comme si vous aviez besoin de vous protéger. D'accord. D'accord. Donc ça c'est à garder en tête. Après, l'année prochaine 2016 sera une année intéressante parce que vous allez retomber sur les mêmes influences que la décennie. Et donc, il me parle, moi, de facilité peut-être financière. D'accord. 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 Et un grand changement qui sera plus de l'ordre en 2018. D'accord. Et, voilà ce que je peux vous dire. C'est toujours sur le plan professionnel, c'est ça ? Là, le changement, ça dépendra... Il peut concerner le professionnel, mais il peut concerner votre vie personnelle aussi. D'accord. Est-ce que il y a quelque chose... 2018, on avait parlé des finances qui vont bouger. Oui. Votre vie sociale à vous protéger. Mais sentimentalement, non, vous m'avez rien dit. Hein. Alors, non, sentimentalement, je dirais la préoccupation, elle va être en 2018. Votre vie de couple, elle est... un coup, je me protège, un coup, je riposte. Est-ce que vous sentez ça ? Non. Non ? Pas du tout. Est-ce qu'il y a souvent eu des incompréhensions ? Dans mes précédentes relations, oui, beaucoup. Donc, dans cette incompréhension, c'est là que je disais, c'est ou c'est vous qui ne comprenez pas, ou c'est lui qui ne vous comprend pas. Oui, forcément. Comme si on n'était pas sur la même, même idée. On peut très bien allier une compréhension mutuelle et avoir une entente cordiale. Oui. Dans cette création de couple, oui, complètement. Oui, c'est ça que j'attends et que je recherche. C'est pour ça que j'ai mis fin aux autres relations, à mes précédentes relations. Oui. Ouais. Donc pour moi, la ça va être au niveau de... Il peut y avoir une ouverture au niveau de 2016. Et sinon, c'est 2020. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Parce que là, en 2020, vous avez plusieurs influences qui me fait penser à ce relationnel. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Voilà, Laura. Très bien. Ben, je vous remercie infiniment. Beaucoup de gratitude. Un grand merci aussi. Oui. Bonne continuation sur votre chemin d'évolution. Merci beaucoup. Et vous, bonne inspiration dans tout ce que vous faites. Merci. Et le meilleur dans tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, Laura. Voilà, écrivez. Oui, je vais le faire. Merci. J'achète. Je suis un premier vendeur. Ouais, acheteur. Acheteur. Acheteur, sorry. Ah bah si tu commences à te mettre du mauvais côté, c'est pas bon, hein. Ah non. À la plus.
Voilà, à bientôt Laura. Oui, merci encore, bye bye. Merci, au revoir Laura. Au revoir. Ah, une belle voix douce, j'adore ce genre de voix. Ah oui, mais c'est vraiment, c'est on le sent, tu vois, beaucoup d'eau, donc beaucoup dans la douceur, dans la communication. Voilà, la douceur de, et amour. Et très peu de feu, donc très peu justement dans cet élan où ça déborde, quoi. Oui, ouais, j'ai adoré. Hein. C'est très bien. C'est là qu'on voit les personnalités, c'est extraordinaire. Ben oui, normalement, elle devrait faire passer les choses dans la douceur. Oui, oui, oui. Donc, bien, avec le cœur. Ah oui, oui, par rapport à Yasmina qu'on a eu tout à l'heure, qui était aussi haut du torrent, donc le même élément, le même premier élément. Et là, on voit bien, Yasmina avait 4 en feu. Oui. Donc, l'action était là, de parler bien, mais de parler plus rapidement. Oui. Et là, on a Laura avec pas plus de feu tempérance. Du tout, donc très douce. Ouais, très très douce, très oui, avec beaucoup de tempérance, je trouve. Oui. Voilà. Et toutes les deux ont toutes les deux leurs qualités qui leur est propre, qui sont merveilleuses, tout à fait, si tu veux. Tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà, Claire. Eh bien, on va se quitter. On va se quitter. Je vous remercie. Ne me quitte pas. Non. À la semaine prochaine. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, je ferai passer Loïc la semaine prochaine en tout premier. Oui, d'accord. Voilà, parce que je l'ai contacté pour lui dire que le temps nous était, enfin le temps imparti était presque épuisé, puisqu'il nous reste que 3 minutes. Qui tu reçois après moi alors? Alors je vais recevoir Johanna qui va venir nous parler de spiritualité. Bien. Voilà, partir à la rencontre de la spiritualité et voilà, c'est un peu le thème dont je voulais parler ce soir, voilà. Donc c'est et si on parlait spiritualité, voilà, c'est ça exactement le thème. Voilà. Mais alors c'est très large, hein. C'est de la spiritualité, c'est beaucoup de choses en même temps. Hein. C'est très beaucoup, c'est sûr. Voilà, donc je pense qu'on aura pas assez d'une émission pour parler de ça. Oui. Donc on va effleurer un peu le sujet. Ça marche. Ça voilà. Marche. Je te fais des gros bisous. Gros bisous à tout le monde. Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Pas de problème. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Voilà, donc après Claire, on va retrouver donc Johanna dans Au-delà des mots, donc l'émission qui est dédiée au médium et toutes les personnes qui œuvrent pour la spiritualité et qui ont un rapport aussi avec l'au-delà. Donc on va se quitter le temps de passer les génériques, une petite chanson entre les deux, et de suite après, Au-delà des mots avec Johanna. À tout de suite.